Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée présenté par Nelly Manouel. Nelly Man, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité des réactions au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle, la réélection de Abdelmadjid Tebboune est saluée par plusieurs partis politiques, dont le secrétaire général du FLN qui anime une conférence de presse. Réalisation de plusieurs opérations d'exportation, des pièces de rechange pour compteurs d'électricité vers la Tunisie et des équipements électriques vers l'Irak. Ouverture d'une école internationale d'astronomie à Alger, elle prendra en charge la formation d'une trentaine d'étudiants, y compris étrangers. Nouvelle manifestation contre la politique expansionniste du Marzen, une mobilisation à Bruxelles à l'appel du parti RIF. La machine de guerre israélienne poursuit son génocide à Gaza. L'armée d'occupation a ciblé un camp de réfugiés à Nusayrat. La résistance riposte en atteignant un objectif à Tel Aviv. Journée nationale de l'imam ce 15 septembre qui coïncide avec la disparition de Cheikh Sidi Mohamed Belkbir, l'imam dont la situation socio-professionnelle s'est nettement améliorée après l'adoption du statut. Et puis le Maulid Nabawi qui sera marqué ce soir par la communauté musulmane. Nous reviendrons sur les traditions. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, continue de recevoir les messages de félicitations de la part de nombreux dirigeants. Dernière en date, le président ghanéen qui a fait part de son souhait de poursuivre la coopération bilatérale. Le président tchadien a abondé dans le même sens. Idem pour le président sénégalais qui s'est dit prêt à renforcer les liens de coopération. Du côté de la classe politique algérienne, plusieurs partis ont salué la réélection de Abdelmadjid Tebboune. Le secrétaire général du FLN anime aujourd'hui une conférence de presse. Abdelkarim Ben Mbarak a exprimé sa profonde satisfaction. Ses propos sont recueillis par Ibtihad Adoun. Le Front de Libération Nationale exprime avec une profonde satisfaction la réussite des élections présidentielles qui se sont déroulées le 7 du mois, dans une atmosphère marquée par une concurrence loyale entre trois candidats et qui ont abouti à la victoire de Abdelmadjid Tebboune, président de la République. Nous considérons que cette victoire méritée est une victoire pour la chère Algérie et pour son peuple. Nous exprimons également notre grande satisfaction quant aux conditions favorables dans lesquelles se sont déroulées les élections présidentielles auxquelles toutes les composantes du peuple ont participé, exerçant ainsi leur droit de vote et accomplissant leur devoir en toute liberté, transparence et intégrité. Et auparavant, le MSP a exprimé ses voeux de plein succès au président réélu. L'issue du scrutin reflète la maturité politique des Algériens, a souligné le RND. Le parti Tadj a présenté également ses félicitations alors que le Front Mustaqbel a rendu hommage au travail de la Cour constitutionnelle. La Cour qui annonçait hier les résultats définitifs de la présidentielle du 7 septembre, confirmant ainsi la victoire de Abdelmadjid Tebboune. Hanan Saïsi. Avec près de 8 millions de voix exprimées, Abdelmadjid Tebboune est réélu pour un deuxième mandat, soit une majorité absolue de 84,30% des voix. Les deux autres candidats, Abdel Ali Hassani Chérif et Youssef Aouchiche, ont recueilli respectivement 9,56% et 6,14% des voix. Conformément à ses attributions constitutionnelles, la Cour a veillé à préserver les voix des électeurs et les droits de tous les candidats, relève le président de la Cour constitutionnelle. تذكر المحكمة الدستورية الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية كما حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحين وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية مما استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية. Les résultats définitifs seront publiés en détail au journal officiel. Exportation d'un générateur pour turbines à gaz et des accessoires pour la production d'électricité vers l'Irak. Sonelgaz relance ainsi des partenariats internationaux et poursuit ses opérations d'exportation d'équipements. Fatma Zahra Merzougi, directrice de la communication du groupe, elle en parle à Nariman Mendil.
Le groupe Sonelgaz, à travers sa filiale GEAT, qui est une joint venture avec General Electric Vernova, a exporté avec succès une importante expédition d'équipements électriques vers Taurus Arm for Power Generation, Oil Trading and Transportation en Irak. Cette expédition comporte un générateur de turbine à gaz d'une puissance de 300 MW avec ses accessoires. Donc cette opération confirme la contribution significative de Sonelgaz à l'amélioration de la chaîne de valeur dans le secteur énergétique et le niveau de compétences et l'expertise atteint par le groupe qui lui permettent de conquérir les marchés internationaux à travers des produits de haute qualité et à la pointe de la technologie. Et grâce à l'encouragement de la production, la Société algérienne des industries électriques et gazières a exporté des pièces de rechange, des compteurs électriques et électroniques vers la Tunisie. On écoute une nouvelle fois la directrice de la communication de Sonelgaz. La production de cette unité était initialement orientée vers le marché national à travers les contrats qui lient la filiale à la Sonelgaz Distribution pour couvrir le besoin national en la matière. Mais dans le cadre de la stratégie du groupe Sonelgaz pour le développement à l'international, le groupe a augmenté les capacités de production de ces unités pour se diriger vers l'exportation de ces équipements dans l'objectif de contribuer à diversifier les sources de devises hors hydrocarbures. Cette opération, qui est la quatrième du genre cette année, rentre dans le cadre d'un contrat qui a été signé en 2022 qui prévoit plusieurs expéditions de ces équipements qui sont fabriqués conformément aux normes et standards internationaux dans ce domaine. Le dédoublement de la voie ferrée reliant Tbessa à Sougaras sur près de 190 km est pratiquement achevé. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'exploitation du gisement de phosphate de Bled El Hadba. Le point avec notre correspondant Béchir Derbassi. Le mégaprojet du gisement de phosphate de Bled El Hadba, situé à Bel Hater, la wilaya de Tbessa, représente un investissement stratégique de 6 milliards de dollars associant 4 wilayas, Tbessa, Sougaras, Ennaba et Sigda. Ce projet vise à exploiter les vastes réserves de phosphate pour les transformer en engrais destinés à l'exploitation. Le dédoublement de la voie ferrée de 187 km reliant Tbessa à Sougaras est presque terminé, facilitant ainsi le transport vers les installations de transformation et les ports. Il ne reste plus que l'achèvement de l'évitement de Tbessa à la région de Tnoukla sur une distance de 43 km pour compléter le dédoublement de la voie ferrée de Tbessa, Béchidrbassi pour Adji Chan 3. Il y a eu ce matin le lancement de l'École internationale d'astronomie à Alger, une école qui prendra en charge la formation d'une trentaine d'étudiants. Plus de détails avec le directeur général du CRAG, Hamoud Beljoudi. Il est contacté par Hamid Belkassem. Cette école a pour objectif d'assurer la formation pour 30 étudiants, dont 15 qui viennent de l'étranger, viennent de l'Albanie, de l'Iran, de l'Égypte, du Burkina Faso, et 15 autres étudiants qui viennent des universités algériennes, Constantine, Oran, Babzouar. L'objectif de cette école, c'est de former ces jeunes étudiants qui préparent leur master ou bien qui préparent leur thèse de doctorat. Ces étudiants-là sont encadrés par un ensemble de professeurs, d'enseignants algériens et étrangers. D'ailleurs, on a plusieurs profs qui sont venus du Canada, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, du Mexique. C'est des profs qui sont spécialistes en astronomie et astrophysique. Donc, ils viennent assurer un petit peu la formation de ces étudiants. Cette école internationale d'astronomie vient répondre à une demande, explique le directeur général du CRAG. Au niveau des universités, on a vraiment une carence en termes de formation dans cette spécialité qui est l'astronomie. Donc à travers cette école, on a essayé de combler le manque d'une telle formation au niveau de l'université algérienne. Donc on a essayé de ramener ces sommités, ces professeurs étrangers, plus bien sûr les profs algériens pour assurer cette formation et pour aider les jeunes étudiants à terminer soit leur thèse de doctorat, soit leur mémoire de master. Le ministère de l'Éducation vient d'annoncer la date de la rentrée scolaire. Elle est fixée pour dimanche 22 septembre. Il faudra rester prudent sur la route si vous rentrez de vacances. Sachez par ailleurs qu'une personne est décédée et 12 ont été blessés dans un accident de la circulation survenu ce matin. Une collision entre trois véhicules, une voiture, un semi-remorque et un bus de transport de voyageurs dans la wilaya de hier, un accident impliquant un bus et deux semi-remorques a fait 10 blessés dans la matinée, cette fois-ci à Oran, et même bilan lors d'une collision entre deux véhicules
à Constantine. Une alliance historique à Bruxelles, celle scellée entre le Front Polisario et le Parti National du RIF, c'est la lutte contre les pratiques colonialistes du Marsenne qui les a réunis, des défis communs à leur tête, l'obtention de l'indépendance. Leur combat juridique ne sera que plus fort. Les RIFains étaient aussi mobilisés dans la capitale belge pour rappeler leurs revendications et la justesse de leur cause. الاحتلال المغربي الآن يحاول جاهدا القضاء على السطوة السياسية الريفية التي تتعادى يوم بعد يوم والإنسان الريفي الآن واعي بهويته وبقوميته وحينما تعرف عن تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي عن تاريخه المزري الدموي أصبح الآن يتحدث جهارا عن هذا التاريخ المنطقة ديال الريف أصبحت قطع أرضية تهدى للصهاينة فيها تكانة عسكرية صهيونية داروها النخل قطع ارضيه ولا يقول لك ترجع الاملاك ديالها للصهاينه باسماء ديالهم هذا ناظر الريفيين ما كاينش شي حل غير يعني باش نسلموا نسترجعوا الجمهوريه ديال الريف كنسميوها محتله. Donc des échos recueillis par la télévision algérienne. Et à propos de pratiques coloniales, l'occupation israélienne sévit encore à Gaza et poursuit son génocide. La résistance tient encore tête. Le mouvement Houthi Ansarullah a revendiqué un tir de missile balistique contre Israël, un tir qui a atteint son objectif, souligne Hassan Rouhani, membre du mouvement contacté par Karim Abnour. À l'aube et grâce à Dieu, nous avons lancé une fusée hypersonique qui a ciblé Tel Aviv et elle a atteint son but avec succès, Dieu merci. Et ce qui viendra sera plus grave. Nous avons réalisé cet exploit à l'occasion du Maulid al-Nabawi Sharif. C'est une surprise qui a étonné le monde entier. L'ennemi sioniste a reconnu qu'il a découvert le missile à la dernière minute et ils n'ont pas réussi à l'intercepter. Il a atteint l'aéroport Ben Gurion, il a explosé l'usine de ciment, a mis en arrêt la station de train. Ce missile a fait beaucoup de choses et les sionistes ont avoué qu'il y a eu 6 blessés sionistes. L'armée d'occupation israélienne a par ailleurs ciblé un camp de réfugiés ce matin à Nour Sayrat dans la bande de Gaza. Il est bientôt 12h43. La suite du journal sur Alger, Chaîne 3 et direction la Tunisie où la campagne pour l'élection présidentielle a commencé en vue du scrutin prévu le 6 du mois prochain. Trois candidats sont en lice, dont le président sortant Kais Saied. Les candidats devront aborder des enjeux clés tels que la situation économique, les réformes politiques et la stabilité sociale, souligne l'analyste politique Kamel Ben Younes. Il est contacté par Rabea Slimani. Ça commence petit à petit. Un des trois candidats, Zouhair Merzawi, a commencé à tourner dans le gouvernorat du Kef, dans les frontières tuniso-algériennes, avec les citoyens dans les endroits publics. Le candidat Yeshi Zemmel, normalement, les gens de sa campagne vont organiser une conférence de presse lundi. Oui, pour le président Kais Saied, il y a un siège déjà de sa campagne électorale dans une des artères de la capitale et on s'attend au démarrage de ces élections. Ces élections sont organisées dans une conjoncture sécuritaire et économique national et régional et international très exceptionnel. Des propos recueillis par la BA Slimani. C'est la journée nationale de l'imam ce 15 septembre, l'occasion de mettre en lumière sa contribution active dans la préservation des fondements et constantes de la nation et du référent religieux à travers le discours modéré du juste milieu. Et pour permettre aux imams de mener à bien leur mission, les pouvoirs publics s'attellent à améliorer les conditions sociaux ou leurs conditions socio-professionnelles à travers l'élaboration de leur statut. Ibtihal Adoun. Depuis sa promulgation, le statut a permis d'améliorer la situation socio-professionnelle des imams, notamment grâce à la revalorisation des salaires, selon Abdelhamid Hachadi, directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses. Ce statut lui a donné tous les droits reconnus par la fonction publique. Il faut bien noter que l'État algérien a été généreux envers cette catégorie en répondant à ses exigences concernant ce statut. Aussi, il faut reconnaître que cette catégorie d'imams et d'enseignants coraniques mérite aussi les efforts
ne vont pas cesser pour améliorer la situation et le statut de l'imam. L'imam est le pivot de la société. Au-delà de sa fonction religieuse, il joue un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Abdelhamid Hachadi. L'imam est le pivot de la société autour duquel se réunissent régulièrement les fidèles et plus particulièrement le vendredi où toutes les catégories de la société se rassemblent autour de cet imam pendant le prêche, un discours qui doit être rassembleur, qui prêche la droiture, l'intégrité, le juste milieu et qui fait appel à la paix, à la sérénité, à la stabilité de la société et du pays. Ce statut marque une étape décisive dans la reconnaissance du rôle clé des imams et dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Il reflète la volonté notamment des autorités d'accompagner cette fonction essentielle tout en répondant aux défis contemporains auxquels elle est confrontée. Et ce TIF a été choisi pour marquer officiellement cette journée nationale de l'imam qui coïncide avec la disparition de l'éminent cheikh Sidi Mohamed Belkebir. Le ministre des Affaires religieuses a fait le déplacement à l'occasion. Il présidera également les festivités marquant le Maoulid An-Nabawi Sharif, une fête consacrée aux prières et à l'évocation de la vie du prophète de l'islam pour encourager également la communauté à suivre ses enseignements. On va prendre la température et l'ambiance du côté de Mostaganem à l'occasion de cette journée avec notre correspondante Yamina Hamdout. À la veille de ces festivités célébrant la naissance du prophète, des mères et des pères de famille, accompagnés de leurs enfants, se rendent au centre-ville pour acquérir tout ce dont ils ont besoin pour célébrer cet événement religieux dans une atmosphère familiale remplie de joie et de spiritualité. Toutes les familles à Mostaganem fêtent le maulid. Un maulid sans Qouar Tabranata, c'est impossible. L'essentiel, c'est réunir toute la famille, c'est le plus important. On le fête chaque année, c'est un événement religieux, ça nous rappelle le prophète, la religion, une tradition aussi. Bien sûr, on fait des courses importantes. D'ailleurs, c'est prévu pour cet après-midi avec les enfants. On chauffe des bougies pour les enfants, pour préparer les gâteaux, on passe la nuit autour d'un dîner. On fait le qouarat, le mqanta. On le fait normal. On chante quelques chansons, un nashid. Les festivités du Maulid An-Nabawi Sharif, qui mêlent parfaitement fête et spiritualité, constituent également une occasion pour renouer avec la tradition et la culture mohammedienne. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al Jazeera 3. On va passer au sport, Rostom Yahya Chérif, avec ce record national établi en athlétisme. En semi-marathon battu par Mohamed Benito à Copenhague, au Danemark. Les détails avec Malik Louhla. L'athlète algérien spécialiste des courses de fond, Mohamed Benito, a battu ce dimanche matin le vieux record national du semi-marathon à Copenhague en réalisant un chrono d'1h55, le classant ainsi à la 16e position d'une course remportée par l'athlète kényan Sébastien Sow avec un temps de 58 minutes et 5 secondes. Pour rappel, l'ancien record national du semi-marathon était détenu depuis 1999 par l'ancienne coqueluche de la sélection nationale d'athlétisme, à savoir Kamel Kohil en 1h, 1 minute et 14 secondes. A noter la participation lors de cette compétition de la star norvégienne du demi-fond Jakob Ingebergstein qui a terminé à la 35e position du semi-marathon en 1h, 3 minutes et 13 secondes. Et puis il y aura tout à l'heure du basketball dans moins de 10 minutes. La formation du groupement sportif de Cosider qui entamera la 25e édition du championnat arabe des clubs féminins. Ça sera face à la formation saoudienne d'El Oula. Sur justement la préparation et ce match face à la formation saoudienne d'El Oula, on écoute l'entraîneur du groupement sportif de Cosider, Abdeljalil Aouach. On est dans de très bonnes conditions. Le transport, la salle, on nous a programmé 2 entraînements par jour. On s'est entraîné 2 fois et dimanche, on aura notre premier match. On va commencer ce championnat face à une équipe saoudienne. Première impression, c'est que toutes les équipes ont renforcé avec 2 étrangères, une pivot et une meneuse. Le plus important, c'est que notre équipe a le moral au top. Je pense que notre effectif est au complet et on est prêt pour commencer ce championnat et j'espère qu'on va bien le débuter.
Et je rappelle que le groupement sportif de Cosidar avait remporté la saison dernière le doublé Coupe Championnat, avait terminé à la deuxième place du championnat arabe des clubs et vise donc cette année de remporter le titre arabe. Merci Rostam, merci Ardouin Siassi qui était à la réalisation. Il y avait Sadir à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bounour.